Charlie. Oh, nom de Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul, veille sur mes affaires, tu veux? Jusqu'à ce que je m'en tire. Ils le détestaient, tous ces voyous, alors ils l'ont tué. Et qui a tué Charlie? Vous voyez celui-là? Oui. C'est qui? Eh bien, c'est le chef. C'est le pire de tous. Et dis-moi, dans l'escalier, en montant, il y avait une très bonne odeur. Il y a un cordon bleu ici. Oh, c'était sûrement chez les caprofis. Ils habitent au premier étage. Les caprofs? Oui. Ah, il faut que tu les connaisses. Tiens, viens. Mes sœurs ne le connaissent pas, et pourtant on s'est mariés en août 31. Excusez-moi une minute. Wilde est arrivé. OLD est un Magnum 475. Dans le genre, il n'y a pas mieux. Tu remplis tes cartouches toi-même? Rien n'est trop bon pour nos amis. Oh, qu'est-ce qu'il y a? On a tiré un coeur! Il y a un type qui s'est fait descendre! Ouais, là-bas! En 25 ans, personne n'a jamais osé m'attaquer directement, briser mes carreaux. Oh, moi j'en ai marre. C'est la goutte d'eau, ça. Charlie aussi, un jour, il en a eu marre. Il avait raison. Enfin, il était prêt à utiliser les grands moyens. Il aurait dû le faire. Au lieu de ça, il me les a confiés, ces grands moyens. La prochaine fois que ces salauds entrent ici, j'aurai une surprise pour ces fumiers. Quoi? Viens voir. Ça, c'est une mitrailleuse Browning de 30. Charlie en a rapporté deux de la guerre. Et elle fonctionne encore. Nom de Dieu. Les munitions sont encore bonnes? Mais comment? Ça fera des belles boutonnières dans le cuir de ces pourris. Qu'est-ce que c'est? Un lance-missile, une arme anti-tank, ultra efficace. Il est en train de tirer sur ces petits voyous, viens voir! Il n'y a plus de munitions!